Alors voilà, ça c'est mon lieu de promenade. Hein. J'ai mis quelques palettes pour éviter de marcher dans cette gadoue là. Tout ça, c'est un petit ruisseau qui coule dans la forêt. Ça fait de la gadoue, donc j'ai mis des palettes. Et là, il y a eu une tempête. Et je vois un peu que tout ça là, tout cet amas de branches est tombé. Du haut de l'arbre, hein, ça a bien soufflé et craque et pouf, ça tombe par terre, mais ça me fait de la peine parce que c'est du bois vert. C'est bien vivant, bien vivant. Et je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Et ça me fait penser ce qui est dit à propos de notre Seigneur et Sauveur. Yeshua! Ah bah ouais, mais Paul, il fait sa promenade, hein. Ouais, il est là, il chasse, hein. Il chasse. T'es où, Paul? Ah! Il se fond. Il se camoufle pour mieux débusquer le gibier. Oui, et donc, ce que je veux dire, c'est que ça me fait penser à ces branches comme ça, c'est ce que Yeshua a dit, hein, si on fait tout ça au bois vert, s'il est maltraité, le bois vert, qu'est-ce qu'on fera au bois mort, hein, et ça, c'est une parole du maître qui est à la fois simple et en fait très très profonde quand on la médite, hein, comme toutes les paroles de Yeshua, hein, de façon de toutes les paroles de la Bible. C'est des paroles très profondes et on peut toujours les comprendre encore toujours plus en profondeur, hein. Ça c'est éternel en fait. Et tant que ça n'annule pas la Torah, bien entendu, hein, on est d'accord, c'est le niveau hein, à respecter, hein, c'est le fil de plomb, hein, du maçon pour que tout soit à niveau. Hein, pour qu'on n'aille pas dans des interprétations folles et douteuses, et ben tout ce qu'on comprend de la parole, et ben ça doit correspondre à la Torah. Est-ce qu'il nous a trouvé un petit gibier? Il est où? Oh là là, il est dans les fourrés là. Et donc moi, ce que j'ai compris là, c'est que et avec tout ce qui se passe en ce moment, ça me fait rappeler certains échanges que j'ai pu avoir avec d'autres frères et sœurs et tout ça. C'est que si on maltraite la parole, parce que Yeshua est la parole incarnée, si on lui fait du mal, donc c'est le bois vert, c'est la parole de vie, c'est quelque chose de très puissant, et si ça on le maltraite déjà, alors qu'est-ce qu'on fera au bois mort? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on lui infligera encore plus, parce qu'il est encore plus facilement abattable, quoi, hein, moi c'est ce que je comprends. Et le bois vert, c'est quand on est imprégné de la parole, mais de la bonne parole, du bon enseignement, de la bonne interprétation, et alors on est plein de vie et on est un bois vert. On est un bois vert, mais si on est à côté de la compréhension de la parole, si on ne met pas en pratique la parole, attention, oh là là, hop, oh là là, oh là. Voilà, et ben si on est dans des eaux boueuses comme ça, eh ben on est un bois mort. Et ce bois mort, en fait, ben il n'est pas rattaché à Dieu, il n'est pas rattaché à son peuple aussi, il n'est pas rattaché à Israël. Hein, Israël qui est le peuple de Dieu, hein, le peuple juif. C'est important d'être un bois vert et pas un bois mort. Hein, d'être imprégné de Yeshua et de nous rapprocher d'Israël, parce que le bois vert, on le voit aussi au fait que on forme un peuple. Un arbre, ça a plein de branches, et ben ça veut dire qu'il y a plein de vie, plein de ramifications, de capillaires, tout ça, tout circule bien, et les branches de l'arbre vont toujours en hauteur, hein, toujours vers le ciel, pour louer Dieu. Et ça, c'est un bon enseignement de vie. Et ça, c'est l'arbre vert. Mais l'arbre mort, c'est celui qui est coupé de la parole. Et donc, il est bon à jeter au feu. Hein.
Donc, c'est pour ça que ça me fait de la peine quand je vois du bois vert abattu comme ça à cause de la tempête. Ça fait toujours un peu de peine parce que, voilà, c'est quelque chose de bien vivant qui a été coupé, sectionné. Comme si le diable avait réussi à arrêter un grand serviteur de l'Éternel. Ça arrive parfois, hein, les persécutions, hein, pour sanctifier le nom de l'Éternel, des fois, il y a des persécutions. Hein, et le bois vert, il est coupé, arraché. Ça fait de la peine. Mais voilà, c'est le plan de Dieu. Hein, voilà, ça reste toujours un mystère. Tiens, j'irais bien voir là, il y a aussi d'autres bois là, on va voir. Et donc, ça fait un peu de la peine, et aussi, ça renvoie à quelque chose, mais je vais pas en parler là, parce que j'aimerais avoir les textes sous les yeux, c'est important. Donc, on va en reparler. Après la promenade, hein Paul, après la promenade, ça rejoint tout doucement comment vraiment être ce bois vert selon ce que je comprends. Après, c'est mon témoignage, c'est mon impression, c'est mon vécu, ma conviction, ma foi. Voilà, hein, je vous partage ce que je vis pleinement. Maintenant, chacun met ça en prière, mais moi, ce que je comprends de plus en plus, c'est que si on veut être un bois vert, eh bien, il faut judaïser. Et vous vous foutez de moi, l'enchantement, hein ? Vous vous foutez de moi, hein ? Il ne faut pas être un bois mort comme ça, parce que si on ne judaïse pas, eh bien, on risque d'être coupé et on meurt, parce que celui qui est rattaché au peuple d'Israël, eh ben, il est rattaché à l'olivier franc, hein. Donc il reçoit la sève et il fait partie intégrante du bois vert. Mais s'il n'est pas rattaché à cet olivier, eh ben, au bout d'un moment, il est comme ça. Voilà. Il est en dehors et il finit par mourir. Et il faut vraiment éviter ça, hein. Et donc, j'aimerais exposer un peu plus en détail ce que veut dire judaïser. Et judaïser a deux connotations, une positive et une négative. Hop, je passe sous le barbelé. Hop là, oui, barbelé. Hein. Ouais. Et je pense que c'est important, donc je vais partager ça, mais je préfère avoir les passages sous les yeux, c'est plus intéressant, et puis comme ça fait deux parties pour ce petit partage. Voilà, et je vous laisse regarder un peu. Oh là là, il y a eu brouillard, hein, mais voilà, ça reste quand même beau. Hein. Allez, nous on continue la promenade, hein Paul ? On continue ? Oh oui, aïe 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 aïe, on y va, oui. Là, on peut faire le test. Là, c'est pas mal, 29, j'ai une demi-heure. Si je poste ça là, voilà. Ah, est-ce qu'on est bien là? C'est pas mal du tout comme décor, hein. C'est vraiment pas mal du tout, hein. J'avoue que là, on est quand même assez bien. Qu'est-ce que t'en penses, Paul ? Hein, mon petit Paul ? Ça te plaît aussi ? Ça te plaît ? Oui, ça te plaît. Mais toi, tu montes pas ici, hein. C'est que pour moi, là, hein. Parce que Paul, il aime bien négocier, hein, la montée sur les canapés, sur les lits et tout ça. C'est tout un combat, hein. Mais on apprend à sanctifier, hein. C'est pas toujours facile, hein, mais on avance, hein. Et tu apprends toi aussi, hein? Oui, tu apprends mon grand, tu apprends, c'est bien. Ah, quoi? Ah oui, je dois aller couper, pardon. C'était un test, là, juste. Hop. Heureusement qu'il fait là, mon chien. Hop. Ok, dans 29 minutes. Très bien. J'ai à peu près calculé le temps, là.
Voilà, donc, est-ce que je suis à peu près bien? Ouais, le décor est bon. Alors, et ben c'est parti. Et voilà, donc, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ah, et ben donc, j'ai trouvé un nouveau petit décor et un nouveau petit fauteuil trouvé au bon coin. Parce que c'est un Chesterfield hein, quand même, hein. C'est pas rien, hein. ça coûte cher quand même. Hein. Mais au bon coin, il y a toujours moyen de négocier et ceux qui connaissent le bon coin hein, savent de quoi je parle. Et ben voilà, avec un petit mur en pierre, hein, il y a eu quelques travaux de restauration et puis ça s'est bien passé. Donc j'en profite hein, et Paul aussi en profite, hein, bon chien hein. Donc ça se passe très bien, on avance selon ce qu'on peut grâce à Kadosh Baruch Hu, hein, le grand seigneur puissant créateur de l'univers qui nous permet tant de choses et on profite bien et je trouve que c'est un endroit idéal pour judaïser. Vous foutez moi hein. Voilà, pour judaïser. C'est le sujet que je veux aborder là parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension au sujet du judaïsme et je tiens à mettre au clair ce qu'il en est pour justement continuer sur des bonnes bases parce que si on ne comprend pas ce que veut dire judaïser, si on ne comprend pas ce qu'est le judaïsme, alors on ne peut pas vraiment avancer dans la foi au Fils de Dieu et au Dieu d'Israël, hein, qui a envoyé son Fils unique, le Mashiach, hein, prendre nos péchés, annoncer la bonne nouvelle de réconciliation entre les hommes pécheurs et Dieu saint. Hein, donc c'est important de faire une mise au point sur ça parce qu'une fois qu'on est réconcilié, donc le message de la bonne nouvelle, hein, ça c'est le fondement, et ben après on apprend à marcher dans les voies de Dieu. Hein, et on a été adopté par le Messie d'Israël, hein, qui est issu de la tribu de Juda, donc c'est le roi des Juifs, hein, et un Judéen judaïse, et c'est pas forcément péjoratif. Judaïser, ça veut dire servir Dieu, c'est le service pour Dieu, et on le retrouve dans la racine du mot Judas. Par exemple, judaïsme vient de Judas, hein, qui veut judéen, qui veut dire juif. Hein, juif, c'est judéen en fait. Hein. Et ben, c'est une traduction, quoi. C'est mis au goût du jour, quoi. Judéen, c'est juif, c'est pareil en fait. Hein. Et donc Judas, hein, c'est la tribu de Judas, qui une des 12 tribus. Hein, qui a une origine bien particulière et qui nous permet vraiment de comprendre ce que veut dire judaïser. Parce que attention aux fausses doctrines, attention aux mauvaises interprétations, on est en combat spirituel là. Hein. Les mots, il faut les remettre vraiment dans leur bon sens. Judaïser a deux sens. Il y a un sens négatif et un sens positif. Et de nos jours, malheureusement, on a toujours assimilé l'expression judaïser comme quelque chose de mauvais. Alors oui, ça peut être mauvais, bien entendu. Il ne faut pas judaïser dans un certain sens du mot, bien entendu. Mais judaïser veut dire servir Dieu, parce que Judas, hein, en fait, c'est Yehuda en hébreu. Et si on va dans la racine de Yehuda, on va dans Yada. Yada qui est... comment on pourrait dire ça? Yada, c'est le service pour Dieu. C'est servir, c'est louer Dieu. Voilà, pardon. C'est louer Dieu. Yada, c'est louer. Excusez-moi. Yada, c'est louer. Remercier Dieu, adorer Dieu, en fait. Hein, tous ceux qui lèvent les mains vers Dieu, qui louent Dieu. Seigneur, merci. Ben, ils sont en train de judaïser, en fait. Ils rendent le service pour Dieu. Parce que le service pour Dieu, en fait, premièrement, c'est la prière. Donc, quand on est en train de... prier Dieu, on judaïse en fait. Mais oui, donc Yehuda vient de Yada, qui est louer, servir aussi quelque part, c'est ça. Et Yada, si on va dans la racine encore, c'est Yad.
Et Yad, c'est la main. Et la main symbolise l'action. Et l'action, dans le contexte juif, bah, c'est servir Dieu, quoi. Hein? Yada, c'est louer Dieu, lever les mains vers le ciel, vers Dieu. Et on lève les mains, donc Yad. Et Yad, c'est vraiment l'action, quoi. Premier épître de Paul à Timothée, chapitre 2. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc c'est pour ça que le judaïsme, c'est le service pour Dieu, parce qu'on se sert de notre être, et en particulier de nos mains, pour servir Dieu. Donc on est Yad, hein, Yada, on sert Dieu vraiment, Yad la main, hein, la main qui sert Dieu, donc c'est Yad, Yada, et ça devient Yehuda, quoi. Le juif, c'est celui qui sert Dieu. Alors après, il y a plusieurs façons de servir Dieu dans le judaïsme, mais on est toujours dans le judaïsme. Le judaïsme, c'est le service pour Dieu, par rapport à ce que je viens d'expliquer tant bien que mal, parce que moi je découvre tout ça, hein. Je suis pas spécialiste de l'hébreu, mais voilà, il y a des mots que j'étudie un peu plus pour comprendre le sens, et c'est important. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. De nos jours, on a des traducteurs français-hébreu ou anglais-hébreu, ou la langue que vous parlez, hébreu. Et après, il y a moyen d'aller dans la racine des mots. Le théologien James Strong a préparé tout un code de référence. Chaque mot de l'hébreu et aussi du grec, hein, première alliance et alliance renouvelée, hein, ou Ancien Testament et Nouveau Testament, hein, ça c'est les termes qu'il faudra revoir aussi, ancien et nouveau. C'est pas des bons termes pour bien comprendre, hein, mais bon, on reviendra sur ça. Mais il a tout référencé, donc il suffit d'aller voir le code lexique Strong sur un mot, et ensuite aller voir la racine, et on comprend. Et ça, c'est à la portée de tout le monde, hein. Il n'y a pas besoin de base hébraïque pour comprendre ça. C'est juste, il faut avoir une base étymologique. Vouloir connaître la racine des mots. Et l'hébreu, c'est beaucoup ça, en fait. Hein. Il y a un mot, ok, ça veut dire un sens, ok, ça veut dire ça. D'accord, la définition, je la connais. Mais maintenant, pour mieux comprendre cette définition et pour m'assurer que je l'ai bien comprise, il faut aller dans la racine, décomposer le mot. Voilà, et encore, il y a encore plein d'autres choses. Mais voilà, moi, je découvre tout ça. Voilà. Oh, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Petite pause. Oh, c'est rien. C'est, hein, hop là, on coupera. et donc, voilà, c'est vraiment important de comprendre que judaïser veut dire servir Dieu. Maintenant, ça c'est une première chose, mais on voit bien qu'il y a un mauvais côté aussi dans le terme judaïser de la part des chrétiens. Donc, quelque part, c'est que il y a aussi peut-être une raison qui est valable. Eh bien oui, il y a une raison qui est valable. Servir Dieu, oui, mais comment on le sert? Quelle est la disposition de notre cœur? Et c'est ça aussi qui peut devenir mauvais, c'est si on commence à servir Dieu sans la bonne kavana. Donc la kavana en hébreu, c'est l'intention, quoi. Hein, la bonne disposition du cœur, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise en fait? La disposition du cœur, est-elle bonne ou pas? C'est ça la kavana. Donc Dieu veut qu'on le serve avec nos mains, avec tout ce qu'il nous apprend au travers de l'héritage juif, mais il faut la bonne disposition de cœur. Et ça, c'est très 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 important. Donc si on n'a pas la bonne disposition de cœur, notre judaïsme peut tomber dans une forme de légalisme, c'est-à-dire qu'on va faire le service, mais sans le cœur. Et alors là, Hachem, il est attristé, quoi. Il prend pas plaisir à nos sacrifices de louange, à nos sacrifices d'action, de grâce, par la prière ou par les actions, les œuvres, hein, dans le sens positif du terme, parce qu'il n'y a pas le cœur. Ésaïe, chapitre 1.
Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ? Dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis ? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ça, c'est le piège de l'esprit religieux, dans son mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'on fait les choses juste en surface, mais dans le cœur, il n'y a rien. Et c'est pour ça qu'au travers de ces prophètes, plusieurs fois, Dieu nous a rappelé qu'il ne prend pas plaisir à nos shabbats, à nos sacrifices, à nos holocaustes et tout ça, à tout ce qu'on fait, en fait, tout ce qu'on observe pour lui, parce qu'il n'y a pas la bonne kavana, la bonne disposition de cœur. Et donc, il faut vraiment veiller à notre cœur quand on fait les choses. Et si on n'a pas le cœur à faire la chose, vaut mieux se préserver et demander pardon à Dieu et lui demander de nous restaurer, d'enlever ce qui ne va pas et de planter ce qu'il faut pour qu'on arrive à bien porter du fruit. Donc, c'est important, hein, il faut reconnaître que, surtout nous, des nations, hein, moi, je suis un... J'étais païen avant, hein. Il y a quelques années, Dieu m'a touché, mais avant, voilà, j'étais dans le monde et bon, je voyais bien qu'il y avait des malaises quand même, mais j'avais pas de sanctification de la part de Dieu dans ma vie, quoi. J'aspirais un peu à Dieu, j'avais des combats comme tout le monde, mais voilà, il y avait un mur de séparation, hein, qui est le péché non pardonné, je pouvais pas faire grand-chose, quoi. Donc, excusez-moi, je regarde l'heure, hop. Jusqu'au jour où j'aurai une caméra qui s'arrête pas de filmer au bout de 20 ou 30 minutes, ça dépend laquelle caméra je prends. Ouais, bah normalement c'est bon. Ah, ça devrait sonner normalement, même j'ai mis le réveil, autant pour moi. Donc, toutes ces choses pour dire que il faut faire attention à notre disposition de cœur, sinon on risque de tomber dans un judaïsme légaliste. Et là voilà, c'est fini, là c'est pas bon, quoi. Et donc, voilà, donc je tenais à dire que le judaïsme, c'est quelque chose de bon, parce que c'est l'enfant de Dieu qui sert Dieu. Voilà. Et comme nous, on est adopté par le lion de la tribu de Judas, on fait partie spirituellement dans notre service, on fait partie de Judas, on est appelé à judaïser, quoi. On est appelé à judaïser, mais dans son bon sens. Donc il faut vraiment guérir de cet antisémitisme qui nous conditionne à croire que judaïser c'est mauvais. Non, judaïser c'est une expression pour, comme évangéliser par exemple. Alors, on peut très mal évangéliser, hein. Hein, on pourrait très bien dire pourquoi forces-tu les gens à évangéliser s'ils n'ont pas à cœur d'évangéliser. C'est pareil, quelque part, il faut avoir à cœur d'évangéliser. Évangéliser, c'est apporter la bonne nouvelle, hein, qui nous réconcilie avec Dieu et son peuple. Hein. Sinon, ce n'est pas la bonne nouvelle, hein, c'est une fausse bonne nouvelle. Donc, je voulais donc aussi aborder ce passage où on retrouve l'expression judaïsée dans la Bible. Et donc là, j'ai la version Louis II, hein, une Bible traditionnelle. J'aime bien la voir parce que beaucoup l'ont. C'est pour ça que je la prends, pour m'adapter. Hein. C'est pas parce que je la préfère. Hein. Il y a plein de traductions qui sont des trahisons, hein, dedans. Hein. Mais je la prends parce que c'est à peu près la Bible la plus répandue, hein, la Louis II. Donc c'est pour ça. Et là, je prends le Nouveau Testament, un livre juif. Traduction originale de David H. Stern, un théologien juif qui a décidé d'entreprendre la traduction de la Nouvelle Alliance, de la Brit Hadasha, en restant fidèle, selon ce que lui il estime fidèle bien sûr, à la culture juive. Hein. Donc il y a des expressions qui sont judaïsées justement, hein, qui sont juives, qui sont rendues juives,
Et parfois, c'est pas toujours utile, mais ça aide quand même au vocabulaire hébreu, c'est bien. Et puis parfois, ça donne des clés de compréhension, waouh! Et il tourne certaines traductions d'une meilleure façon pour qu'on arrive à mieux comprendre l'idée, parce qu'il y a beaucoup de traductions qui sont erronées à cause du fait qu'on sort de la pensée juive. Hein. Donc voilà. Hein. Donc je prends le fameux passage que les chrétiens utilisent quand un de leurs frères ou sœurs retourne aux racines hébraïques. Hein, il leur dit, mais pourquoi tu judaïses? Voyons, on est libéré de la loi, on sera jamais justifié, sauvé par les œuvres de la loi. Mais bien entendu, il n'y a aucun rapport, j'ai envie de dire. Servir Dieu, c'est pas ce qui va nous sauver. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu regarde aux actions, aux œuvres, mais premièrement, il regarde au cœur. Et si le cœur correspond aux actions, là, il bénit et il nous sanctifie. Mais si nos actions ne correspondent pas à notre cœur, ça sera des actions quand même qui seront en surface, normalement, elles sont bonnes. Mais pour Dieu, ça ne plaît pas, parce qu'il y a l'esprit religieux. Et judaïser, dans son sens noble, ça veut dire servir Dieu de tout son cœur, de tout son être, de tous ses moyens, de tout son corps. Donc judaïser, c'est bon. C'est bon, faut pas dire à ceux qui reviennent aux racines hébraïques, pourquoi judaïsent-ils? C'est normal de judaïser si on revient aux racines hébraïques, mais il faut judaïser de tout notre cœur et de tout notre corps, de tous nos moyens. Et bien entendu, tout le monde avance petit à petit, chacun à son niveau, on judaïse comme on peut, parce qu'on est sous la grâce. La grâce, c'est la bonté de Dieu qui sait très bien où on en est et il voit qu'on avance mais qu'on a du mal, donc il nous protège, il prend soin de nous, il sait qu'on est des enfants qui ont du mal à comprendre, qui sont un peu lents à croire, lents à comprendre. Mais on grandit petit à petit et il n'y a plus de condamnation, même si on n'arrive pas à tout comprendre, tout pratiquer, et ben Dieu voit qu'il voit notre cœur, sait où on en est et alors il nous fait grâce. Et, après, on peut partager dans des beaux petits Chesterfield et tout ça. Donc, tout va très bien, quoi. On est sous la grâce, il n'y a plus de pression. En fait, on sait qu'on est sous la grâce à partir du moment qu'il n'y a plus de pression lorsque l'on judaïse. Et oui, mais c'est ça. C'est ça. C'est judaïser avec grâce et vérité. Hein. Servir Dieu, donc, je traduis, servir Dieu avec grâce et vérité. L'adorer, le louer avec grâce et vérité. Et souvent, donc, il y a des chrétiens qui utilisent le terme « judaïser ». Pourquoi tu judaïses dans le sens péjoratif? Et on va voir le sens péjoratif dans la Brit Haradasha, hein, la Nouvelle Alliance, version H-Stern. Hein. Mais j'ai aussi la version Louis II, la plus connue, hein, qu'on entend dans les églises et tout ça. Hein. Il y a pas de problème, hein. Galates, c'est après Corinthiens. Hein? Corinthiens, l'église bien charnelle, hein? Qui a reçu tous les dons, hein? Mais qui est restée charnelle. Hein? Comme quoi, hein? Il suffit pas d'avoir les dons, il faut aussi l'esprit, quoi. Hein? Les dons, ça veut pas forcément dire qu'il y a l'esprit derrière. Hein? Non, non. Les dons, en fait, Dieu donne à un moment donné, mais après, si la personne reste pas fidèle, elle peut sortir de la voie droite de Dieu avec les dons, continuer à pratiquer, tout en faisant croire qu'il est avec Dieu, mais en fait, il n'est pas avec Dieu, quoi. Et voilà, je reprends. Ouais, ça a coupé, hein, désolé. D'ailleurs, j'ai pas relancé le chrono. Purée. Bon, je vais essayer de faire court. Ah, je vois que le feu n'a pas été relancé. Oui, c'est important d'avoir un petit feu. Hein. Pourtant, on est Shabbat. Oh, bah alors comment ça se fait? Comment ça se fait que j'allume un feu à Shabbat? Comment ça se fait? Hein? Ouh là là.
Eh bien, ça se fait que c'est parce que moi, je viens des nations et qu'il me faut du temps pour comprendre les choses. Voilà. Ceux qui n'allument pas de feu à Shabbat, eh bien, moi, je leur dis, c'est très bien. Il n'y a aucun problème. Hein? Je ne suis pas contre ça. Mais moi, il me faut du temps pour apprendre. Je fais partie de... En fait, je tiens à souligner que je fais partie de ceux qui sont un peu lents à comprendre, mais que quand je comprends, ça va mieux. Et aussi, je fais partie des nations qui se grèvent sur Israël. Et il me faut du temps. Et comme je ne suis pas entouré de juifs, j'en connais, et je les fréquente un peu, mais pas suffisamment pour vraiment m'imprégner plus rapidement, alors je mets du temps. Et je reconnais. Par exemple, là, on est Shabbat et je peux très bien allumer un feu, partager la parole sans kippa, alors que j'ai la tête pour. Hein. On voit bien, j'ai une calvitie. Donc, bientôt, je pourrais mettre la kippa, vraiment, même pour une question technique, ça m'aidera, quoi, pour éviter d'avoir froid, quoi. Hein. Donc, bon, le feu va reprendre, il met un peu de temps. Ça me fait rappeler l'époque des cabanes, quand on soufflait dans les cabanes pour allumer le feu, dans les cendres. Bon, voilà. On va laisser prendre tout doucement. Et donc, c'est pour ça aussi que je me permets de faire ça. Hein. C'est pas de la provocation, mais c'est pour faire comprendre que quand on judaïse, ça veut dire que on sert Dieu. Mais on le fait à notre échelle de foi. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs dans la foi qui n'osent pas judaïser parce qu'ils ont peur d'être privés de plein de choses. Ce qui est totalement faux. Judaïser, c'est servir Dieu, c'est apprendre à le servir selon sa volonté. Mais nous, venant des nations, il nous faut du temps. Donc, il ne faut pas se mettre la pression à vouloir tout accomplir, tout pratiquer tout de suite. Non, non. Il faut y aller étape par étape. Et l'observation du Shabbat, en respectant juste le temps d'arrêt, c'est déjà bien. Après, donc du vendredi soir au samedi soir, on lève le pied, et puis là, on se détend, et on étudie Shabbat, et au fil des années, on aura des nouvelles convictions qui vont venir. Moi, j'ai pas encore la... C'est en train de venir tout doucement, mais... La conviction d'éteindre ou de pas allumer des feux, machin, les trucs comme ça, ça me dépasse trop, moi. Mais est-ce que c'est pour ça que je vais me retenir de m'arrêter pour Dieu par amour? Voilà, c'est ça. Donc je m'arrête le jour du Shabbat parce que ça, je l'ai compris. Et c'est tout à fait normal que Dieu a décrété un jour pour s'arrêter. C'est tout à fait normal. Même chez les religieux, les hommes religieux païens, chez les catholiques par exemple, ils ont vite compris ce système qu'il faut savoir s'arrêter un temps. Donc bien sûr, ils se sont désolidarisés du peuple juif pour éviter de judaïser avec un mauvais œil. Bien sûr, ils le voient d'un mauvais œil quand ils disent judaïser. Hein. C'est pour ça que quand on entend l'expression judaïser, il faut savoir quel est le contexte, quelle est la kavana, la disposition du cœur de la personne qui dit judaïser. Eh bien, malheureusement, les pères de l'Église ne supportaient pas le fait de judaïser. Et donc, à 15h30. Ah, mais ça, c'était tout à l'heure, ça. Pardon, je me suis trompé. Hop, je verrai. C'est par rapport à tout à l'heure, mais je me suis un peu embrouillé. J'ai un peu des problèmes de notion de temps. J'essaie de m'en sortir, mais comme ça a coupé et que j'ai oublié de relancer le réveil pour me dire qu'il faut que j'arrête la caméra, maintenant je l'arrête là, mais je sais que comme j'ai relancé, ça ne correspond plus. Donc c'est bon, là je suis largué. On va voir comment je vais réussir à gérer. En tout cas, le temps d'arrêt est très important. Et là on voit bien que moi
je suis pas totalement dans le Shabbat. La preuve, je suis encore avec le temps et tout ça. Il y a des choses que normalement je devrais pas faire. Mais je découvre et j'y vais à mon rythme. C'est ça que je veux vraiment faire comprendre. Judaïser, ça veut pas dire tout faire parfaitement. Judaïser, c'est commencer à découvrir petit à petit ce que Dieu nous enseigne. Et c'est le travail d'une vie. Il faut pas se mettre la pression. Moi, je me mets aucune pression pour le Shabbat. Que de la joie. Et petit à petit, je découvre. Et d'un coup, quand c'est vraiment gravé dans le cœur, on fait les choses naturellement. Avant, j'avais quelques combats pour, ne serait-ce que pour m'arrêter au temps que Dieu me demande. Maintenant, ça devient beaucoup plus facile parce que mon planning commence à se caler en fonction du Shabbat. Donc, le vendredi, en général, j'arrive à arriver comme il faut, quoi. Pas toujours encore, mais voilà. Mais je sens que c'est mieux qu'au tout début. Et c'est là que je comprends que ça, c'est la véritable greffe, quand on commence vraiment à bien judaïser. Et voilà, si on fait que 1% du judaïsme, on est quand même des judaïsants et c'est bien. Il faut judaïser, donc c'est très 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 important. Mais chacun à son rythme, sans aucune pression, sans l'imposer aux autres, mais on peut le partager. Parce que si personne ne judaïse, donc si personne ne sert Dieu comme lui le demande, alors on est dans l'erreur, quoi. Hein? Et la grâce nous permet de judaïser parfaitement à partir du moment que on se soumet à Dieu, qu'on dit « Ok, je veux bien apprendre ». Et bien le sang rédempteur de Yeshua nous couvre et c'est comme si on faisait tout parfaitement. Parce qu'on est justifié par le juste des justes, hein, le tzadik des tzadikim. Et quand Dieu regarde ce qu'on fait, Yeshua est là, il nous couvre. Ça, c'est mon frère, c'est ma sœur, hein, que tu as adopté par mes mérites, Père. Donc je te demande de le considérer comme pur. Comme pur. Et c'est ça la puissance de l'évangile, c'est que quand on vient à l'évangile, donc à la Bessora Tova, hein, juif et non-juif, faites l'effort l'un comme l'autre de traduire à chaque fois français, hébreu, hein. L'évangile, c'est la Bessora Tova. Donc c'est la bonne nouvelle. Bessora Tova, c'est bonne nouvelle. Hein. C'est vraiment important. Hein. L'évangile, c'est en grec, je l'ai plus en mémoire, mais c'est la bonne nouvelle. Quoi. C'est pareil, c'est en grec. Bon. Il faut vraiment faire prendre le temps de comprendre ce qui est dit. Quoi. Quand un juif entend l'évangile, il doit comprendre la Bessora Tova. Et il peut reprendre la personne, hein, si cette personne qui annonce l'évangile dit qu'on n'a plus à suivre la loi, il faut lui dire non, 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 qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La Bessora Tova, c'est la bonne nouvelle qui nous réconcilie avec le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël n'annule pas sa loi, mais il annule tous les décrets de condamnation sur les pécheurs. Il les retire parce qu'on est pardonné, on est adopté, on fait partie du peuple de Dieu, mais on est tout petit, on est des nouveau-nés, on ne connaît rien à tout ça, et on apprend au fur et à mesure. Et moi, je suis un petit, 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 j'apprends, voilà. Et c'est important, et on grandit, et on grandit, et on grandit, et on n'a pas à se mettre la pression du tout. On grandit dans la joie, mais il ne faut pas rejeter les choses. Hein, il faut les accueillir, et on fait ce qu'on peut, et ce qu'on n'arrive pas, il faut reconnaître qu'on n'y arrive pas, et puis il n'y a pas de problème, quoi. Moi, c'est pour ça que là, exprès, entre guillemets, hein, j'allume un feu, je mets pas de kippa, j'ai pas les titiotes, parce que il faut comprendre que chacun judaïse comme il peut à son échelle de foi. Et tout commence par l'observation du Shabbat. Ça, c'est la porte d'entrée dans le judaïsme, le Shabbat. Donc, j'encourage tout le monde à commencer par observer le Shabbat, et après, du Shabbat, tout découle. Tout découle, la délivrance finale et tout arrivera. Si on commence à se concentrer sur le Shabbat, chacun pourra avancer à son rythme. Le Shabbat, c'est une clé, c'est même une porte d'ailleurs. Hein. Quand Yeshua il dit qu'il est la porte des brebis, et qu'il dit aussi qu'il est le maître du Shabbat, c'est pas pour annuler hein, le Shabbat, c'est pour dire que c'est lui le maître du Shabbat. Hein. Donc celui qui vient par la foi en Yeshua, observer le Shabbat, personne ne doit le condamner. Parce qu'il y a le maître du Shabbat qui s'en occupe et il fait son œuvre tout doucement.
Et les nations qui commencent à observer le Shabbat, ça, c'est un signe que Dieu fait une œuvre chez les nations. Donc, juifs, s'il vous plaît, je vous aime, mais soyez vraiment tolérants dans le sens constructif du terme. Soyez patients, hein, parce que les nations sont en train de se greffer véritablement. Et on le voit. Et la greffe a vraiment pris plus sérieusement depuis qu'Israël est ressuscité en 1948. Et là, en 2018, on voit les premiers petits fruits. C'est des petites choses, mais il ne faut pas écraser ça. Il faut continuer à arroser, continuer à encourager, enseigner les nations. Hein, hein. Vous, les rabbins, s'il vous plaît, enseignez-nous. Quoi. On a besoin de vous. Comme vous, vous avez besoin de nous. Parce que la greffe fait partie, hein, du plan de Dieu. Si on néglige la greffe des nations sur Israël, eh ben, c'est comme si on refusait le plan d'Hachem. Donc, chacun a besoin de l'autre et Dieu a fait exprès. Mais celui qui a vraiment plus besoin, c'est quand même les nations. Hein. Ceux qui ont plus besoin, ce sont les nations. Parce que les juifs détiennent les oracles de Dieu, les paroles inspirées, les paroles révélées. Mais les nations ont la bonne nouvelle à apporter, la Bessora Tova, et ensemble, ça fait vraiment l'Israël de Dieu, quoi. Quand on parle l'Israël de Dieu, c'est l'Israël accompli, c'est-à-dire que toutes les tribus sont rassemblées, et on sait très bien qu'il y a 10 tribus, hein, d'Israël qui ont été... attendez, il faut que je fasse une pause, hein, je reprendrai parce que là j'ai un problème technique. Ouais, désolé, hein. Attends, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon? Oh, je sais pas où j'en suis là, parce que j'ai mis en œuvre un petit... Non, on dirait que ça va. Parce que j'ai vu quelque chose qui clignotait orange. Non, ça va? Bon, je vais faire une pause quand même, on va reprendre, vaut mieux. Est-ce que là ça marche toujours? Oui, c'est bon. Eh bien, ma foi, oui, c'est bon. Bon, je vais essayer de ne pas excéder la demi-heure. Hein. Voilà. Donc, travaillons à cette unité entre juifs et non-juifs par la recède. Hein, un autre mot peut-être. Moi, je crois que grâce, bonté, ça traduit par recède. Mais, hein, ça peut se discuter éventuellement. Mais s'il vous plaît, aidez-nous plutôt que vouloir discuter sur ces petit point de détail là, on a besoin d'apprendre les choses et Dieu se révélera à nous au travers de cette réconciliation, hein. C'est vraiment important et tout ça c'est l'œuvre du Mashiach. Alors je sais que Yeshua qui est à tort appelé Jésus est mal vu par les juifs parce que ça renvoie à la persécution, ça renvoie à l'abandon de la loi de Dieu. Et ils ont raison, les juifs, de se préserver de ce Jésus-là. Mais là, on ne parle pas de ce Jésus-là. On parle de Yeshua Mashiach, le roi des juifs, quoi, qui est venu, qui a parfaitement accompli la Torah, qui a repris les chefs religieux hypocrites. Hein, parce que si Israël se porte mal, c'est parce qu'il y a aussi des chefs religieux hypocrites, sans doute. Hein. Je suis désolé d'aborder ça, hein, mais à un moment donné, il faut un peu... comprendre pourquoi Yeshua était en combat avec les pharisiens et les scribes. Hein. C'est pas parce qu'ils étaient religieux, non. Religieux dans le bon sens du terme, hein. C'est-à-dire qu'ils servaient Dieu par leur religion, le judaïsme. Non, c'est parce qu'ils étaient hypocrites. Donc, tant qu'il y a cette hypocrisie, on ne peut pas avancer. Donc, s'il vous plaît, chef religieux, soyez vrai, soyez authentique, reconnaissez qu'il y a le Messie d'Israël qui est passé, qui a accompli première partie des prophéties en tant que le Messie, le Mashiach Ben Youssef, hein, le Messie souffrant. Hein. Donc, tout ça, c'est accompli. Et maintenant, il va revenir... Et ça, les juifs aussi attendent la venue du Mashiach en tant que
roi glorieux, hein, Messie Ben David, mais bien entendu qu'il va venir aussi. Hein. Donc, mais avant sa venue, nous, on doit préparer à cette réconciliation. Donc, s'il vous plaît, enseignez-nous, tout en respectant notre foi en Yeshua, considérez que éventuellement, si c'est trop dur pour vous, éventuellement, peut-être que c'est le Mashiach, donc gardons une réserve, un respect, mais on force personne à croire au Mashiach, parce que le Mashiach, il est révélé par Hachem, par le Père. Le Père révèle le Fils révèle le Père. C'est pas aux hommes de révéler ces choses-là. Donc, il y a juste un respect à avoir. Comme moi, je respecte tous les rabbins, les juifs qui ne croient pas en Yeshua, parce que je sais que c'est l'œuvre de Dieu, ça. Mais nous, à notre niveau humain, on doit juste apprendre à nous respecter. On n'a pas les mêmes convictions sur le Mashiach, ok, mais on doit chercher à comprendre toujours plus la Torah. Et on doit s'entendre et on doit être dans la paix pour étudier la Torah. Et la Torah nous enseigne à judaïser, pas à christianiser. Hein. Christianiser, c'est Christ. Christ, c'est chrétien. Chrétien, c'est un mot qui a été mal traduit d'un autre mot araméen. Mais on reviendra sur ça parce que ça aussi, j'ai compris quelque chose de nouveau. Le christianisme, c'est quelque chose dont il faut se défaire. Hein. Je parle des catholiques et des protestants. Hein. Pas le Christ, le Messie Sauveur, bien entendu que non. Il faut rester avec lui. Mais je parle de la religion chrétienne, catholique, protestante. Il y a des choses qui sont bonnes dedans, parce qu'il y a le message de l'évangile, mais beaucoup trop de fausses doctrines sont là et ça empêche de grandir correctement. Donc, il faut se détacher de ça et étudier le judaïsme. Mais ça ne retire pas les bonnes choses du christianisme, parce que tout ce qui est bon dans le christianisme, en fait, ça vient du judaïsme, hein, quand on regarde, hein, c'est très simple. Donc, bah oui, c'est l'évangile, la bonne nouvelle, le pardon des péchés, le juste qui expie les fautes des pécheurs, tout ça c'est juif, hein. Hein, on retrouve ça dans le Talmud. Hein. Donc, tout ça, c'est bon. Hein. Ce que Yeshua a fait à la croix ou au poteau d'exécution, pour ceux qui n'aiment pas le terme croix, qui renvoie trop au catholicisme. Hein. Mais là aussi, on prendra le temps d'en reparler, parce que tout ça, c'est flou. Hein. Autant chez les juifs que chez les grecs, hein, chez ceux du monde, hein, les chrétiens et tout ça. Hein. Mais il faut tout reprendre. C'est pour ça qu'il y a du boulot énorme. Et moi, qui suis-je pour faire ça? C'est, quelque part, c'est pas mon rôle, mais de plus en plus, je le prends parce qu'il n'y a personne pour le prendre et je le fais à mon échelle, quoi. Et voilà, et puis je sens que je dois le faire, donc bah, je le fais. Hein. Le jour où il y aura quelqu'un qui le fera, je serai tranquille, moi j'arrêterai. Mais il faut parler de ça. Alors, il y en a qui le font, hein, mais... À ma connaissance et dans mon entourage, je vois que c'est pas assez expliqué. Donc, à un moment donné, moi, je me lance, quoi. Je suis pas enseignant. Je suis moi, voilà. Je suis juste un judaïsant, quoi. Et vous foutez de moi, l'entendre. Hein. Mais à mon échelle de foi, donc petit. Mais voilà, j'apprends à avancer. Et puis, ce que je comprends, je veux le partager et rassurer surtout tous ceux, les frères et sœurs qui sont dans le christianisme. Judaïser, observer le Shabbat, commencer à étudier aussi tout ce qui est les lois alimentaires et tout ça, c'est super enrichissant. Mais vous n'êtes pas obligé tout de suite d'arrêter de manger si c'est trop dur. Commencez par étudier déjà. La foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on étudie, de ce que la vérité nous communique. Donc si on étudie la vérité, qu'on la connaît mal, mais qu'on l'étudie, eh ben on va commencer à mieux la connaître et on la connaîtra bien. Et puis naturellement, on arrêtera, quoi. Et Dieu éclaire aussi, hein, au travers de sa lumière. Quand on étudie sa parole, il nous éclaire. Donc, judaïsons. Mais pas dans le mauvais sens. Et il y a un passage dans Galates qui montre, hein, le mauvais sens de judaïser, que beaucoup de chrétiens ont repris pour condamner ceux qui judaïsent.
Donc, c'est en Galates chapitre 2, verset 9, hein, on va dire. Hein, ou verset 10. Hein, non, allez, verset 9. Donc, c'est l'apôtre Paul, hein, ou le Rav Shaul. Hein, il s'est fait appeler Paul pour les nations. Hein, hein, les juifs savent qu'il faut aussi avoir un nom pour les nations. Hein, c'est nécessaire, pas tout le temps, mais ça... Hein, l'histoire a montré que c'était nécessaire. Et donc, l'apôtre Paul ou le Rav Shaul fait un petit résumé là, dans la lettre Galate de son parcours. Et à un moment donné, il rencontre ceux de l'église de Jérusalem, mais non, de la Keïla de Jérusalem. Hein. Donc, discernant donc la grâce qui m'avait été accordée, donc c'est Paul qui parle, Yaakov, Kepha et Yohanan, donc Jacques, Pierre et Jean, qui sont reconnus comme des piliers dans la communauté ou dans l'église, hein, nous ont tendu à Barnabas, donc Barabbas, on va dire que c'est ça, hein, je sais plus là, mais en tout cas la traduction c'est Barnabas, hein, et à moi, la main droite en signe de communion, afin que nous allions vers les païens et eux vers les circoncis. Leur seule requête, alors c'est marrant, hein, petite parenthèse, hein, Jacques, Pierre et Jean, ils sont appelés à aller vers les circoncis, donc vers les juifs. Et Paul, il est appelé à aller vers les incirconcis, donc les non-juifs. Hein. C'est intéressant, hein, quand on sait que l'Église catholique a pour... premier père fondateur de l'église, hein, Pierre. Mais Pierre, il doit aller vers les juifs, pas les non-juifs. Donc déjà là, il y a quelque chose de bizarre, mais on en reparlera. Hein. C'est tout un sujet aussi. Hein. Donc voilà, hein, main droite, signe de communion, afin que nous allions vers... Donc ils ont eu donc Paul et Barnabas. Comment on l'appelle, Barnabas, au fait? Excusez-moi, il faut que je regarde parce que. Faut que je comprenne. Barnabas! Oh, c'était pareil! Bon, Barnabas, hein. Et ben donc, ils ont reçu la bénédiction, hein, des piliers, des colonnes de la communauté de Jérusalem, hein, concernant les croyants en Yeshua. Et, mais. Ces piliers du judaïsme de la bonne nouvelle, leur seule requête étant que nous n'oublions pas les pauvres, ce que je me suis appliqué à faire. Donc c'est intéressant de voir que quand on reçoit la bénédiction des responsables, il ne faut pas oublier de s'occuper des pauvres là où on est. Et ça rejoint la notion de la tzedaka. Et ça, c'est complètement juif, quoi. Un juif sait très bien que la tzedaka, c'est tellement important pour Dieu, quoi. Il faut faire la tzedaka tout le temps, quoi. Hein, même quand on part en mission. Donc là, c'est intéressant que c'est rappelé, ça. Ici, hein. On voit bien que c'est vraiment un esprit juif, vraiment très très judaïsant, quoi, dans le bon sens du terme. Par contre, quand Kepha, donc Pierre, vint à Antioche, je me suis opposé à lui publiquement car il était dans l'erreur. En effet, avant l'arrivée de certaines personnes de la communauté de Yaakov, donc de Jacques, que je vais reprendre quand même cette version parce que ça peut déstabiliser un peu trop, hein. Donc je vais reprendre quand même, hein. Épître aux Galates, hein, chapitre 2 verset 9. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire.
Donc on voit l'importance hein, de s'occuper des pauvres. Hein. C'est très 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 important. La tzedaka, la charité. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et, donc les nations, hein, et les non-juifs. Et quand elles furent venues, les personnes que Jacques a envoyées, il s'esquiva, Pierre, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Barnabas, c'est quelqu'un, fils de l'exhortation, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout hypocrite. Hein. Mais là, le phénomène de groupe l'a même, lui, entraîné dans l'hypocrisie. Donc, voilà. Hein. Le problème, c'est là. C'est que y a quelque chose qui n'est pas assumé, là, encore. Hein. Y a quelque chose qui n'est pas assumé. Hein. Des juifs qui ont reçu le pardon des péchés en Yeshua vont voir des non-juifs. Ils mangent même avec eux. Hein, parce qu'ils s'adaptent. Hein. Sans pour autant transgresser les lois de la cache-route. Hein. Mais ça n'empêche pas de manger avec des non-juifs, tout en observant quand même les règles basiques de la cache-route. Hein. Ne pas manger de porc et tout ça, c'est très faisable. Hein. Moi, je mange avec des non-croyants. Eux, s'ils mangent du porc, moi, je leur dis non, moi, je ne mange pas de porc, mais je peux manger ce qui est bon, ce qui est déclaré pur. Devant Dieu, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, c'est important de hein. Je suis désolé, mais plus je partage et plus je vois qu'il faut vraiment tout revoir. Ça devient super compliqué à gérer parce que à chaque fois que je parle de quelque chose, ça peut être mal interprété parce que tout a été dévié, tronqué, perverti. On est vraiment dans Babel, c'est-à-dire la confusion du langage. Quand bien même on croit dire ce qui est compréhensible, l'autre en face peut comprendre complètement différemment. Il y a vraiment du boulot. Ça va demander encore du temps. Bon courage pour ceux qui vont prendre la suite. Moi, je fais ma part, mais déjà, je vois bien qu'il y a des choses... Enfin bon, j'espère que je me fais un peu comprendre. Hein. Donc, je continue, hein, Galates chapitre 2, maintenant verset 13. Avec lui, donc, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas ou à Képhas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Voilà, j'irai pas plus loin parce qu'après on peut encore développer et surdévelopper, mais c'est fou quoi. Mais... Et je vais m'arrêter là parce que de toute façon je ne veux pas faire trop long. C'est là la clé de voûte de l'antisémitisme, c'est là, c'est judaïsé dans le sens mauvais. Parce que là, on voit bien qu'il y a un côté qui est mauvais, quoi. Si toi qui vis à la manière des païens, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? Là, ce passage, il est utilisé, mais dès qu'on rentre dans ce sujet-là, quoi. Donc maintenant, il faut prendre le temps de comprendre ce passage qui est difficile, hein. À comprendre, qui est pourtant si simple, mais les traductions en plus ça nous aide pas. Bien, on va voir la traduction de H. Stern. Qu'est-ce qu'il nous dit? Attention. Par contre, quand Képhas vint à Antioche, je me suis opposé à lui publiquement car il était dans l'erreur. En effet, avant l'arrivée de certaines personnes de la communauté de Jacob, il mangeait avec les croyants païens.
Mais quand ils arrivèrent, il se retira et se tint à l'écart parce qu'il avait peur de ceux qui étaient en faveur de la circoncision des croyants païens. C'est mieux traduit, là, quand même. C'est intéressant, hein? Il avait peur, non pas des circoncis, mais il avait peur de ceux qui étaient en faveur de la circoncision des croyants païens pour être sauvés. Bon, et ça rejoint le fameux concile de Jérusalem. Hein. On reviendra sur ça aussi. Avec lui, les autres croyants juifs se comportèrent aussi comme des hypocrites, de sorte que Barnabas lui-même fut entraîné par leur hypocrisie. Mais quand je compris qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de la bonne nouvelle, je dis à Képha devant tout le monde, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière d'un goy, et non comme un juif, pourquoi forces-tu les goyims à vivre à la manière des juifs ?» Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on voit un côté mauvais du sens judaïsé, c'est forcer à judaïser. Et aussi, c'est ne pas assurer sa foi dans l'évangile alors qu'on est juif et que un juif sans la foi en Yeshua arrive. On n'assume pas que en Yeshua, on peut aller vers les païens, non pas pour se souiller, mais pour leur annoncer la bonne nouvelle. Donc ça, on peut le faire. Donc bien sûr, ça nécessite de passer du temps avec eux, mais sans pour autant se compromettre. Et ça, c'est judaïser, annoncer la bonne nouvelle dans le bon sens du terme. Mais quand un juif sans Yeshua vient et que là, on se sent mal à l'aise parce qu'on se dit « je vais me faire juger par lui, il va croire que je me souille avec des païens hein, ». Parce qu'il faut savoir que le juif, normalement, dans la tradition vraiment orthodoxe, il ne doit pas manger avec des non-juifs, hein, sinon il se souille. Hein. Il ne doit pas être sous le même toit aussi, hein. Il y a ce qu'on appelle le droit de tuilage, j'ai cru comprendre, mais je ne suis pas sûr, à vérifier, qui fait qu'on ne doit pas être sous le même toit, pas sous les mêmes tuiles, quoi, hein. On ne doit pas communier avec un goy. Mais en Yeshua, c'est différent, parce que Dieu veut purifier les non-croyants, il veut les purifier par son roi Rakodesh, et donc les croyants ont le cœur purifié par la foi, et ça on le voit en acte 15, hein, acte 15-9, hein, acte 15-9. Oui, maintenant, ouais, c'est ça, toute l'assemblée, acte 15-9, oui, voilà, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi, voilà, Dieu ne fait aucune différence entre nous et les juifs, entre les juifs et nous les nations, parce que par la foi, en Yeshua, il y a la purification des péchés, le cœur est purifié, et alors on peut pratiquer le judaïsme parce qu'on est justifié devant Dieu. Alors ça, c'est à saisir par la foi, et c'est la foi qui nous fait comprendre ça. Donc on peut avoir une bonne conscience à étudier la Torah et le judaïsme, tout en allant chacun à son rythme. Hein? C'est la greffe, ça met du temps la greffe. Hein? C'est les années, des siècles et des millénaires. Hein? Donc tranquille, hein, tranquille. Mais on y va en tout cas, on y va. Donc le juif qui a reconnu Yeshua peut aller vers les païens sans pour autant se compromettre, mais il peut aller vers eux pour mieux leur expliquer ou leur annoncer la bonne nouvelle et dans quelle direction il faut aller. Donc un juif qui reçoit vraiment Yeshua, il a tout, hein, il a tout. Il connaît le judaïsme. Il connaît la bonne nouvelle, il a reçu le Mashiach dans son cœur, donc il peut aller vers les nations, leur annoncer la bonne nouvelle et leur annoncer comment judaïser dans le bon sens du terme. Mais s'il rentre dans du forcing, s'il commence à forcer les gens à judaïser, c'est pas bon.
pour ça que Paul il dit, pourquoi forces-tu, les forces-tu à judaïser, hein, toi qui es juif, tu vas vers les païens, tu leur annonces la bonne nouvelle, s'ils ne l'ont pas, s'ils l'ont, bah, tu leur montres comment on judaïse, mais sans jamais forcer, il ne faut pas forcer, il n'y a pas à forcer. Sinon on tombe dans le piège du religieux, et si le religieux prédomine, on fait des choses qu'en surface et que ce n'est pas dans le cœur. Il ne faut pas forcer à judaïser, jamais, jamais. Et judaïser aussi, c'est, on peut le voir dans le sens où négatif, c'est-à-dire que voilà, soit on force comme ça, soit c'est aussi le... Non, c'est pas dans le sens négatif, mais... je fais une pause. Attendez. Parce que, en même temps, je réfléchis. Il y aurait... Pardon, hein. 43, 42. Voilà. 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 Donc, c'est pas toujours évident à expliquer tout ça. Pourtant, c'est très simple, mais peut-être que là, je suis allé dans trop de complications. Je sais pas. Je vais me réécouter. Je vais voir si ça vaut le coup de diffuser. Hein. Mais en tout cas, voilà. Judaïser, c'est bon. Mais il faut pas forcer. Et puis il faut assumer aussi Yeshua, hein, quand il y a un juif qui ne croit pas en Yeshua qui vient, et ben il n'y a pas à avoir honte, hein, il n'y a pas à se cacher, ça c'est de l'hypocrisie, hein. Donc le juif qui a reconnu Yeshua, il peut être avec des païens pour justement les enseigner, des païens, enfin disons des croyants, hein, aussi, hein. Le païen quand même c'est quand c'est le croyant qui pratique rien du tout, quoi. Il vit comme un païen. Hein. Un païen, c'est vivre à la manière du monde. Hein. Donc, normalement, un croyant, c'est plus un païen. Donc, mais le croyant, il a besoin d'apprendre à judaïser. Avec grâce et vérité. Donc, tout doucement. Et ça commence par l'observation du Shabbat, premièrement. Voilà. Moi, je mets ça comme base, parce que c'est avec le Shabbat qu'on commence à avoir un fondement, quoi. Donc, avec le Shabbat, on apprend à aimer Dieu et notre prochain, si c'est bien fait. Hein. Hein, on voit en plus comment il est positionné dans les commandements, on voit bien que c'est une porte, hein, entre ce que Dieu nous demande par rapport à lui, et ensuite ce que Dieu nous demande par rapport aux autres. Donc, c'est vraiment une porte, c'est une charnière, là, quelque chose de très 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 importante qui nous fait passer de l'un à l'autre très facilement. Hein. Entrer et sortir, hein. Comme dit Yeshua, hein, mes brebis entrent et sortent, elles ont toujours de l'herbe à manger et tout, c'est qu'elles savent aller dans le monde, vers les autres et revenir vers Dieu, et ça c'est grâce à la porte qui est le Shabbat, quoi, hein, qui est une sanctification temporelle, spirituelle, même matérielle, à tous les niveaux en fait, hein, dans l'espace aussi, mais tout ça, ça se découvre. Hein. Et moi, je dis pas que je fais tout bien. Hein. Je tiens à le souligner, mais je veux encourager en fait. Je veux encourager à aller dans ce sens-là parce que je sens que c'est ça qu'on doit tous faire, c'est aller dans le même sens. Chacun avance à son rythme, chacun ceci, cela, d'accord. Mais en tout cas, on est d'accord sur des fondements. Et à commencer par le Shabbat, puisque l'ennemi a premièrement retiré le Shabbat, hein, avec l'arrivée de l'église païenne, catholique, hein, romaine, hein, avec Constantin et tout ça. Hein, comme on voit bien, donc, puisque le Shabbat a été retiré premièrement, et ben, c'est à nous de revenir aux racines hébraïques en remettant premièrement le Shabbat. Donc, et le Shabbat, au début, il est très, 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 très facile à observer. C'est juste on marque le temps d'arrêt, quoi. Et après, on étudie et chacun avance selon sa foi, quoi. Hein, parce que le Shabbat, il est éternellement mystérieux. Il veut se réveiller toujours plus. Hein, ce commandement-là, il est très, 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 très puissant. Hein, hein. Même les Juifs les plus orthodoxes et pieux possibles, ils connaissent pas tout du Shabbat. Hein. Ils en connaissent beaucoup plus, c'est sûr, mais ils découvrent aussi. Hein. Le jour où on pense qu'on connaît tout du Shabbat, c'est que là, on est... Hein,
s'écoute parler, hein. On se regarde beaucoup dans la glace et on s'apprécie beaucoup. Hein. Et voilà, moi je pense. Hein. Donc, voilà. Comprenons qu'avec Dieu, judaïser, c'est bon, hein, c'est le service pour Dieu. Et, mais voilà, restons humbles. Hein, et moi, je n'ai pas du tout honte de reconnaître que le Shabbat, voilà, j'observe juste le temps de sanctification. Des petits rituels que j'ai à cœur de faire, j'aime bien, hein, l'entrée Shabbat et sortie Shabbat avec Avdala, tout ça j'aime bien, parce que j'ai à cœur. Et s'il y a des moments où j'ai vraiment pas à cœur, et ben, des fois je préfère même pas le faire par crainte de péché, parce que je ferai quelque chose sans conviction. Et Dieu sait où j'en suis, il va pas m'en vouloir. Hein. Donc voilà, et j'ai aucune culpabilité, et c'est aussi d'ailleurs pour ça que je partage, alors que je sais très bien que moi, partager au sujet du Shabbat, et au sujet de judaïser, mais moi-même, je ne judaïse pas beaucoup en fait. Mais rien que le fait de tendre vers ça, je vois qu'il y a des oppositions pas possibles, et donc je tiens à mettre au point de régler les choses. On est appelé à judaïser parce que notre Sauveur, c'est le roi des Juifs, le lion de la tribu de Juda. On est appelé à servir Dieu avec notre cœur et avec nos mains. Donc là, on rentre dans, comme j'ai dit au début, Yada, la louange pour Dieu, le service pour Dieu avec nos mains et bien sûr avec notre cœur. Et tout ça, c'est juif, c'est Yehuda, hein, Yada, Yehuda. Et c'est le service pour Dieu. Donc il faut le voir comme ça. Hein. Parce que lui, l'ennemi, il arrive et il confond tous les mots. Hein, toutes les définitions et tout, elles sont complètement mises à l'envers. Et du coup, le terme judaïsé, qui devrait être respecté de tous parce qu'on saurait d'office que ça veut dire servir Dieu, et ben maintenant, de nos jours, il est complètement galvaudé. Il est décrié, il est vraiment mal vu. On est pris pour des gens très religieux, légalistes, alors que c'est pas du tout ça. Quoi. C'est pas du tout ça. Judaïser, ça rend libre, hein, en fait. Hein. Et pour tous les juifs qui judaïsent d'une façon très orthodoxe, il faut avoir aussi cette humilité de reconnaître qu'on ne connaît pas tout du judaïsme. C'est normal. Eux, ils en connaissent une partie, et nous, on peut en découvrir une autre. Avec une certaine grâce, tolérance de Dieu, parce qu'on est, issu des nations et on n'a pas appris ça étant petit. Mais le véritable judaïsme, c'est quand toutes les tribus seront rassemblées et qu'on servira vraiment Dieu, et donc c'est l'Israël de Dieu. Hein. Donc, l'Israël complet, unité, et là, Machiar, bon, Machiar, il sera là. Quoi. Il viendra. Il attend que tout soit bien à terme. Quoi. Donc, avançons vers ça, judaïsons, vive le judaïsme, mais chacun à son échelle. Et comme vous pouvez le constater, moi je suis un très 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 faible judaïsant. Hein. C'est très léger. Hein. Mais je continue et j'aime de plus en plus et je découvre à chaque fois des nouvelles choses et oh, ça fait la... Ça remplit mon cœur de joie parce que je vois que ce n'est pas une religion humaine, mais que c'est les codes, les façons de faire que Dieu a révélé à son peuple et que son peuple est appelé à révéler aux nations. Hein. Israël est une lumière pour les nations. Hein. Donc, Israël doit avoir vraiment beaucoup d'amour, de compassion pour les nations. Et c'est son petit, quoi, en fait. Hein. Dieu envoie le Machiar. Le Machiar dirige, enseigne Israël. Israël, ensuite, toc, renvoie tout ce qu'il a reçu du Machiar, donc de la Torah vivante. Il le renvoie aux nations. Voilà. Donc, et on peut renvoyer correctement que si on aime notre prochain. C'est l'amour qui transmet les choses véritablement. S'il n'y a pas l'amour et qu'il n'y a que la connaissance, alors là, on tombe dans le légalisme et dans le religieux. Hein? Là, on judaïse dans le sens mauvais, avec une hypocrisie en nous, que dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, on peut changer de comportement et tout ça. Ça, c'est de l'hypocrisie. Hein? Donc, il faut vraiment ôter ça. Et alors, on pourra vraiment découvrir le véritable judaïsme, hein? Le service pour Dieu. Hein?
Voilà. Donc, eh ben, que tous ceux qui sont encore, je veux dire, victimes d'un certain antisémitisme, eh ben, qu'ils reçoivent leur guérison au nom de Yeshua. Il est temps d'avancer maintenant, vraiment. Mais voilà, c'est juste un coup d'alarme, un coup de chauffard, un coup de gueule, hein, presque. Mais pas pour légaliser les choses, genre légalisme. Non, non, c'est juste, ouvrez-vous à ça, ouvrez-vous. Et puis Dieu s'adapte à vous, il n'y a aucune crainte à avoir. Il n'y a aucune culpabilité, aucune condamnation quand on vient au Machiar, parce qu'il sait parfaitement où on en est. Donc, on a juste à reconnaître, et voilà. Et on avance, et on avance, et on avance. Voilà, donc judaïser est bon, j'espère que j'ai été clair, pas trop long, si, peut-être. Donc, je vais arrêter. En tout cas, voilà. Hein, ici, on judaïse bien, vous voyez. Et j'apprends toujours plus, toujours plus. Et voilà. Donc, frères juifs et non-juifs, par la foi dans le Messie d'Israël, hein, même s'il y a encore un petit combat dans son identité, hein. Certains le reconnaissent plus ou moins, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Et ben moi je vous aime, je veux, et c'est pour ça que je partage là, et je veux vous encourager à judaïser dans le sens à servir Dieu selon ses codes à lui qu'il a transmis à Israël, hein. Par exemple, un chien dans le judaïsme, un chien, un bon chien comme Paul, normalement il ne faut pas qu'il soit à la maison. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je fais non, j'en veux pas. Non, je reconnais ça, mais je vois bien où j'en suis. J'ai pas la foi pour le mettre dehors et tout, je sais pas comment je fais. Ça serait n'importe quoi. Ma femme serait pas d'accord aussi et tout, parce qu'on n'est pas prêt. On ne sait pas faire ça. Mais on reconnaît, moi je reconnais en effet. Donc, pardon Seigneur, mais que faire? Eh bien, il y a des choses qu'on peut pas faire. On peut pas. Mais il faut pas être contre. Il faut reconnaître que voilà. Via des nations, il y a des choses, voilà, moi je sais pas les faire, je peux pas, je reconnais, mais alors, je vais pas contre le judaïsme, je reconnais que, voilà, je suis quelqu'un des nations, et j'apprends à judaïser, mais que, hein, on met un peu de temps, hein, voilà, ben ouais, mais que voulez-vous, et il y a que au travers de cette concordance, où on reconnaît tous le même Dieu, la même Torah, la même loi, les mêmes principes qu'on arrivera à avancer. Et si on n'arrive pas à tous les respecter, enfin les pratiquer, eh ben il y a la grâce de Dieu qui nous couvre, parce qu'il sait que voilà, on est pris par tellement de choses. Voilà. Et du coup, on arrive à plus se supporter les uns les autres, parce que voilà, on reconnaît tous la même chose, mais on reconnaît aussi qu'on n'arrive pas à tout bien pratiquer. Mais on est sous la grâce. La grâce permet de combler nos manques. C'est ça aussi la grâce. Dieu, par amour, quand il voit qu'on reconnaît notre faiblesse, eh bien, sa puissance s'accomplit. Hein. Il a bien dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc, glorifions-nous de nos faiblesses. Mais oui, comme ça, sa puissance agit. Voilà. Il est comme ça, Dieu. Il pense différemment de nous. Donc, c'est à nous de nous adapter à lui et non pas l'inverse. Donc, moi, je reconnais qu'il y a plein de choses que j'arrive pas encore, mais j'y travaille et je tends vers. Et voilà, voilà. Bah ouais, moi, je suis qu'un simple homme. Et voilà. Hein. Je travaille à la sanctification, mais à mon niveau, et j'aspire à mieux toujours. Et lui, il m'a fait mieux au fur et à mesure. Voilà, donc je suis content d'être là où j'en suis déjà. Et puis on verra par la suite. Voilà, on continue. Allez, Shabbat Shalom! Allez, hop!
Dites-vous, vous foutez de moi, là, en ce moment, hein?